Ici on est sur le camping de pêche Hibert à Béduet et on organise un festival d'activités de pleine nature sur ce site qui est donc organisé par l'IUT en projet tutoré. La journée va commencer à 9h30, on commence par de la randonnée. On va aller voir différentes choses dont un four à pain, un dolmen, peut-être une fontaine selon le cas. Et selon le temps. Celle de l'après-midi, c'est vraiment à viser famille et enfants, avec une petite explication même sur le patrimoine de Béduet. Il y a aussi des ateliers de pleine nature avec l'association Les Chemins Buissonniers. Dans le même temps, il y aura des départs. Il y a un cross qui est mis en place en partenariat avec les écoles. Là, donc, on est passé devant l'accueil. Ici, on a donc des arbres, des gros arbres dans lesquels vont être disposées l'acrobranche. C'est des chênes très sûrs avec plein de belles branches où on va pouvoir sauter dans tous les sens comme des petits singes. Il y aura des circuits, des randonnées en VTT autour du camping. On proposera une initiation à l'escalade, en fait, à l'acrobranche. Un petit parcours d'escalade d'arbres pour découvrir un peu les sensations à quelques mètres du sol. On se rejoint tous entre 12h et 14h pour le repas. Et on reprend l'après-midi à 14h avec de la course d'orientation, une balade patrimoine, de l'acrobranche, une initiation à l'acrobranche à partir de 5 ans. Sans oublier qu'il y a un chapiteau en cas de pluie, donc les activités ne sont pas annulées et qu'on garde le repas, le goûter et tout le festival en place sans problème. Et la journée se terminera à 18h par un goûter offert et fait par nos bénévoles. Les bénévoles, on va en avoir à peu près une cinquantaine en totalité. Voilà, faut amener son VTT, bien sûr. Voilà. Le 21 octobre, à Béduet, au camping de pêche Hibert, le Festi Nature.